Allez, c'est parti en direct sur Sport en France, 6ème journée de la Saforel Power 6. Le premier service pour Chamalière et Sabine Aguéwéné, les premiers points. Première attaque pour Nicolo Gianni là-bas, c'est défendu. Derrière, attention à la pointue de Chamalière qui se fait défendre elle aussi. Et le blocage trouvé là-bas pour Assimina Nicolo Gianni pour le premier point de ce match. Attention à la réception. Derrière, on n'en profite pas pour Sabine Aguéwéné. On va rejouer tout là-bas sur Bobolini. Qui n'y arrive pas non plus. Un petit peu haché là sur ce point. Respo. Brit Rampelberg à la passe sur Kinderman. Ouais, joli bloc. Bien en place. Un très beau franchissement. Ah, comment résister à Kinderman, peut-être en lui retirant un petit peu de confiance sur ce genre d'action. Ouais, bloqué sur son poste 2, son poste fétiche. Le service 8 partout. Laura Liblanc qui va trouver la balle. Kenwa qui se fait attraper à son tour. 11-9 plus 2, Pays d'Aix-Venel. Et encore une fois, Annelies Félix. Copier-coller, écart de plus 3 pour Venel. Très bon service. Jaji qui réceptionne parfaitement. On va pouvoir remettre ça avec Émilie Respo. Mais attention, nouvelle occasion pour Chamalière. Quelle défense encore une fois, Kinderman à la passe. Sur Popolini, c'est défendu. Quel point! Aguéwéné qui se fait bloquer, exceptionnel. Kinderman accompagné d'Ayla Paradzic. Il va falloir qu'elle trouve les solutions. Ah, c'est Kinderman. Il va falloir qu'elle trouve les solutions à l'attaque Sabine Aguéwéné parce qu'elles ont besoin de sa puissance offensive. Ouais, Trentelberg, super réception. Nicolo Gianni, mieux servi cette fois, mais c'est défendu. Laura Liblanc sur Okenwa là-bas. Et ça fait 20 partout. Chamalière qui égalise. On les pensait perdus pour cette manche. Elles sont revenues de nulle part. Ouais, Aguéwéné, la réception, c'est compliqué. Ça va obliger Okenwa à forcer là-bas. Ce n'est pas touché, c'est dehors. Et la première est la bonne pour Venel. 25-23, 1-0 pour les visiteuses du soir qui sont devant. C'est écrasé dedans. Popolini. Ouais, c'est pas un cadeau là cette passe. Laura Liblanc. Magnifique. Et elle nous a écouté, Laura Liblanc, elle les donne les fixations. Certainement, elle suit les consignes de son entraîneur. Et même si la balle est un peu basse, elle s'en sort, la brésilienne. C'est par là que doit passer. Et l'occasion de relancer le compteur pour Venel. Aguéwéné et Émilie Respo qui ne peut que constater les dégâts sur cette belle attaque. Ouais, c'est une belle attaque épaule gauche. Ouais, gros service, mais c'est bien réceptionné. Ouais. Attention. Raquel Loff hein, qui n'arrive pas à attaquer Kinderman. La réception qui est compliquée encore une fois. Attention, cette bonne passe tout de même. Et le bloc, monster bloc trouvé par Venel. Ouais, Alissa Popolini. Bonne réception, chute Barbet. On joue là-bas sur Aguéwéné. Le petit ballon, la Corse exceptionnelle de Brit Rampelberg. La libéro de Venel qui fait encore des exploits. Bon, et derrière, par contre, on ne pourra rien faire puisque Sabine Aguéwéné est encore une fois bien servie. Et cette fois, ce n'est pas un petit ballon déposé. C'est un pétard dans la défense de Venel. 19. Ouais, c'est ça son registre. Vanguedou toujours au service. Ouais, elle va choisir Kinderman là-bas. Elle se fait attraper. Et derrière, quelle défense encore une fois de Chamalière. On trouve le haut des mains là-bas avec Chute Barbet. C'est contré encore une fois la défense. Chamalière qui ne rompt pas. Ça ne trompera pas sur cette attaque de Kenwa. Nicolo Gianni, le haut des mains s'est défendu par Vanguedou. À quel point encore une fois. Et attention, Kenwa, le petit ballon, pas assez déposé, ça va revenir. Kinderman hein, qui n'a pas le temps d'armer son attaque. C'est compliqué là, tous les points sont compliqués, toutes les attaques ont du mal à se déclencher. Nicolo Gianni, la défense au Kenwa qui ne touche pas le filet. Respo, pousse, ça revient. Au Kenwa et ça va faire un point. Non, ça continue, incroyable. Quel rallye. Laura Liblanc qui joue là-bas sur Raquel Love, c'est dehors. Ce sont finalement les joueuses de Chamalière qui vont craquer sur ce point exceptionnel.
service de Novo à leur rallye blanc pour Aguéwene là-bas. Ça reste dans le filet, non, ça va revenir. Leur rallye blanc. Ouais, bien joué, il faut doubler. C'est ce qu'il fallait faire, lui redonner le ballon dans le même point. C'est la solution sur ce genre de situation. Et une demi-tête bien annoncée. Collé sur la main. Paradzik, bon service, mais excellente passe encore. Et c'est défendu. Et sur Fanguedou au filet. Ouais, elle fait un match de très haut niveau, hein, Laura Liblanc. Ouais, elle a haussé le niveau, ça c'est sûr. Bien aidée par ses coéquipières aussi, qui lui donnent plus de temps pour se mettre sous le ballon. Là-bas pour Okenwa qui arrive lancé depuis l'arrière du terrain. Ce temps mort qui a fait du bien, 23-20 Chamalière. La Lise Gag. Ouais, le service sur un Chouik Barbet, ça permet là-bas à Wegené d'attaquer. Mais Ampelbert qui fait l'exploit encore une fois. Et le blocard trouvé par Novoa. Mais il y aura très certainement un challenge vidéo. Il est à bouger. Est-ce que c'est la chilienne ou... Ah oui. Clairement. Elle a poussé jusqu'au dernier moment. Et un peu trop même. Un peu trop. Et Chamalière qui va égaliser à une manche partout, 25-23. Popolini, service en cloche. Oh, le bloc derrière, énorme pour Alia Paradzik. Venel qui prend l'ascendant. Guéné. Quelle lucidité. Bravo. Oh oui. Elle en a mis pas mal. Ce match était comme ça. Oh. Pour nous voir au service. Et c'est un block-out. Faire une défaite. Respo. Bukowska, on n'y arrive pas à trouver la solution. Enfin, derrière, Chouk Barbet qui va de son attaque, ça paye pas encore. Cette fois sur ce coup-là, elle va trouver le block-out et ça fait 2-1 pour Chamalière. Il aura fallu une seule balle de 7 pour passer devant. 21 ans seulement, 1m85. Et une équerre de Popolini sur Okenwa. Le rallye blanc sur Chouik Barbet là-bas. Quelle révélation cette connexion blanc Chouik Barbet. Et moi qui disais tout à l'heure qu'elle manquait parfois de puissance Chouik Barbet, eh ben elle m'a fait mentir. Ouais, elle est très très importante aujourd'hui. Et elle aussi, hein, une belle carte à jouer cette saison dans sa Forel Power 6 avec cette équipe de Chamalière. Respo sur Paradzik. Allez, on retrouve là aussi des bonnes connexions côté de Venel avec la passeuse française et sa centrale. C'est là, hein, que la différence va se faire par le jeu au centre. La passeuse de Chamalière en service. Kowska, bonne réception, elle est servie de nouveau par Emily Respo. Encore une fois, la belle défense au bloc de Chamalière. Allez, on renverse là-bas sur Awegené à deux mains. Peut-être là-dessus, Bukowska qui trouve le bloc out. N'était pas loin du bloc gagnant pour Yannis Félix. Et ouais, il fallait retarder encore plus. Elle a bien attendu la tchèque. À la réception qui permet directement à la Paradzik d'offrir même 5 points d'avance à Venel à présent. 15-10. Allez, il faut rester dans le match pour Pays d'Aix-Venel. Oh, elle était lancée à Wikini, elle trouve le point. Elle a défendu comme un gardien de hand. Rampelberg. Ah ouais. Là, elle a pas peur de faire rempart, mais.
Ouais, c'est parfait. Laura Liblanc qui va renverser avec cette basket de Raquel Loff la diagonale. C'est magnifique. 17-15. Ouais, on est. Kenwa. Wegené derrière une des 3 mètres. Ça ne met pas en difficulté la défense. Elle défend toujours. Laura Liblanc qui va jouer là-bas en pipe. Elle est un petit peu en retard à Wegené. Attention, Respo c'est derrière pour Popolini, on se bat. La passeuse de Chamalière qui défend, Okenwa qui se fait attraper, on ne pourra pas défendre sur cette attaque. Allez ça Popolini, et Benel qui repasse devant 22-21. Sur ne pas gêner également, Chouik Barbé, ça va revenir, Novoa pour Popolini. JJ encore une fois, ah, Wegené depuis l'arrière. Et derrière Okenwa sur la défense approximative de Venel, la pointue américaine était bien présente. 23 partout. Bah, peu importe l'issue du match, il y en a une qui va bien dormir, c'est Awegene. Elle est très très sollicitée, la française. Superbe match. Allez, le bon service sur Novoa. La passe de Popolini pour Kinderman et la belle défense d'Okenwa. Awegene, la capitaine. Ça va revenir encore une fois en pipe pour Schwick. Barbé, la puissance sur Ampelberg. Respo, Popolini. Oh, quel point, 24 partout. C'est complètement dingue. Awegele, la défense incroyable de la libéro belge de Chamalière. Ça va revenir. On ne peut rien lâcher des deux côtés. Respo, Popolini. Oh là 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 là, quel point. Et ça tourne à l'avantage de Venel. Il suffoque Atman Toubani. Attention, 26 partout. Novoa, c'est défendu. On évite la faute de fil. Et la défense encore une fois de Rampelberg. Okenwa qui défend. Ah oui, Wegené. Mais quelle défense de Rampelberg. Mais d'où vient-elle? Et derrière, le bloc de Novoa. Ce monstrueuse. Emilia Respo au service. Et c'est Okenwa qui va attaquer, qui se fait contrer. Et personne pour soutenir cette adjugée pour Pays d'Aix-Venel. Et bien sur ce bloc de Kinderman, qui en plus d'avoir très bien attaqué en cette fin de set. Elles se sont battues jusqu'au bout, les joueuses de Chamalière, pour remporter ce match 3-1. Mais on ira bien au tie-break une fois de plus en direct sur Sport en France 2025 du championnat de France de volleyball féminin. Allez, il reste au service pour le début de ce tie-break de partout entre Chamalières et Venel. Premier point pour les Chamaliéroises. Ouais, bien joué, Emilie Respo. Le sauvetage. Ouais, diagonale derrière de Chouk Barbé. Main droite, c'est bien défendu encore une fois par Ampelberg. Et l'énorme bloc, monster bloc pour Chamalière. Oh, oh bien joué Kouliziani qui avait suivi. Quel bloc de la Tchèque. Et la Kouliziani, 22 ans. Bien inspirée là sur ce bloc. Elle a plongé du bon côté. Sur l'épaule gauche de Raquel Loff. Ouais, excellente joueuse, hein. Kouliziani. Okenwa à deux mains. Espo, encore pour Kouliziani qui se fait attraper cette fois. Kouliziani, Respo, Kinderman. Il n'était pas parti. Okenwa, encore une fois, et la Kouliziani pour un monster block, le deuxième de suite. Venel qui prend 2 points d'avance. C'est pas la plus grande des centrales, Kouliziani, même si elle fait 1m88. Mais elle a la science du placement des mains, notamment, mais aussi la vista. Norman, très très bon service. Attention, il y a le feu dans la maison chamaliéroise. Respo pour Popolini. Cette fois, le monster block, il est pour Chamalière. Le match dès maintenant, parce qu'il y a +2 pour Chamalière, 11-9.
Gainé, plus 3 maintenant. Et là, le match, ce sont les Chamalières qui sont en train de le tuer. En tout cas, il le conserve pour l'instant. Et la fixation pour Raquel Loff. C'est bien défendu, attention. On s'est pas compris côté Venel. Awegené qui va déposer, c'est sauvé par Emilie Respo. Kinderman pour terminer le point avec la spéciale main gauche en diagonale 13-12. Elle est métamorphosée, la pointue allemande. Espérons pour elle que ce soit pas trop tard. Allez, Laura Liblanc au service, elle a fait un gros match en secteur. Encore un bon service, Respo pour Kinderman, c'est soutenu. Allez, l'occasion de finir le match maintenant pour Awegené, mais qui se fait bloquer par une Kinderman exceptionnelle dans les derniers instants. Qui a vécu une soirée compliquée, mais qui est au rendez-vous. C'est celle-là pour Chamalière. Allez, la réception, attention, de Awegené. Awegené qui va offrir la victoire à Chamalières 3-2 sur cette attaque pas des plus faciles, mais le talent et ce point de la victoire qui vient couronner un énorme match de Sabine Awegené.